Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc, nous vous souhaitons une bonne année, nous vous souhaitons le meilleur personnellement et professionnellement, et nous espérons que ces vacances ont été très profitables pour vous. Et aujourd'hui, pour cette rentrée, nous vous proposons de revenir sur ce qui s'est passé avant les vacances de Noël, c'est-à-dire un stage animé par notre secrétaire national de l'action juridique en charge des non-titulaires, Marcello Rotolo, qui est venu pour animer un stage et qui a répondu à nos questions sur la situation des non-titulaires en Guadeloupe. Nous l'écoutons. Donc voilà, je suis dans l'Académie de la Guadeloupe et je me rends compte que les contractuels de l'Académie n'ont toujours pas l'application des décrets de 2014 qui s'impliquent par exemple pour la période d'essai, les nouvelles grilles indiciaires, pour la prise en compte, une meilleure prise en compte de leur diplôme dans la grille d'évaluation. Donc il serait bon peut-être que le rectorat de la Guadeloupe applique les textes qui datent de 2014 et 2016, non seulement pour les contractuels, mais aussi pour les AED et les AESH qui ont aussi le droit à ces évolutions. Donc il est grand temps de se mobiliser pour que enfin le rectorat applique les règles ici aussi en Guadeloupe. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien nous vous proposons de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube, et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien de vous syndiquer au SNES FSU en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt!